Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, ça va même plutôt bien. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Jean Bloch a fait fermer ma chaîne pour droit d'auteur. Quelle tristesse. Et ça, c'est la raison officielle. La véritable raison, c'est parce que mon propos le gênait. Il m'a donc lâchement censuré. Et quel était mon propos? Celui de révéler qu'il était anthroposophe. Enfin, de le révéler. Je ne dénonce rien en disant cela, puisqu'il se qualifie lui-même d'anthroposophe, et ce, dans ses vidéos, ou même encore dans le descriptif promotionnel de ses livres sur Amazon. Je ne révèle donc pas son appartenance à l'anthroposophie, mais dans mes vidéos, j'expliquais ce qu'était l'anthroposophie, à savoir un mouvement religieux qui ne dit pas son nom, qui avance masqué. J'en parlais dans ma première vidéo dénoncée par Jean Bloch et qui avait pour titre Le mensonge arien, la préhistoire. Vidéo que vous pouvez voir ou revoir sur la chaîne YouTube Mon Calepin. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Comme vous pourrez le voir, pour illustrer mon propos, j'utilisais des extraits vidéo tirés de la chaîne à Jean Bloch où on l'entendait et on le voyait parler. Voilà. La société anthroposophique, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement occultiste créé par Rudolf Steiner, un austro-hongrois, en 1913. Rudolf Steiner est présenté par Jean Bloch comme un des esprits les plus brillants du XXe siècle. Il fait souvent référence à sa sagesse, il lit parfois des extraits de ses textes, et dans l'introduction de son premier livre, Jean Bloch décrit l'anthroposophie comme une philosophie, une science de l'esprit. Ce qui veut dire que Rudolf Steiner serait un philosophe. Or, ce n'est pas une philosophie, l'anthroposophie, et Rudolf Steiner n'est pas un philosophe. L'anthroposophie est une religion New Age. Pour savoir ce que c'est que le New Age, je vous renvoie dans un lien à une de mes premières vidéos sur cette chaîne. Voilà ce que j'ai dévoilé donc. Et que Jean Bloch n'explique jamais vraiment. Rudolf Steiner se dit inspiré par les dieux et il explique qu'il a des dons de clairvoyance depuis l'âge de 7 ans, lui permettant d'accéder aux sciences de l'esprit, c'est-à-dire le monde invisible, une science qui, selon lui, est supérieure à la science contemporaine qu'il qualifie de matérialiste. Et tout au long de 20 années de conférences, il développe sa doctrine et son dogme. Il crée une cosmogonie où l'homme aurait pour origine les Atlantéens et les Lémuriens. Il sait le passé, le présent, le futur, parce qu'il a eu accès aux annales akashiques, un concept New Age forgé au XIXe siècle par Helena Blavatsky. L'akasha serait une sorte de disque dur dans lequel serait enregistrée la mémoire du monde et auquel seuls les initiés auraient accès. Rudolf Steiner, plutôt qu'un philosophe, est donc un prophète en fait. Il propose un mélange de religion chrétienne avec une trinité suprême et en dessous d'autres dieux en quantité. L'anthroposophie est un polythéisme. Alors on y retrouve dans ces dieux les anges, au-dessus les archanges, au-dessus les archées, au-dessus encore les kériotétès, les dynamiques et les exousiaï, et puis au-dessus encore les chérubins, les séraphins et les trônes. La véritable Trinité, transformée selon Rudolf Steiner par le mensonge chrétien en Père, Fils et Esprit, serait en réalité la Lune, le Soleil et Saturne. Le Christ nous viendrait du Soleil et il est le grand être solaire. Bouddha se serait réincarné sur Mars et il y est encore actuellement. Parce que oui, Rudolf Steiner dispense la croyance en la réincarnation empruntée à l'hindouisme. Et il emprunte pas seulement cette croyance en la réincarnation pour les hommes, mais aussi pour les planètes. Les planètes se réincarnent. La Lune est vitrifiée d'ailleurs, son sol est fait de cornes solidifiées et les élémentales y habitent. Les élémentales, ce sont les farfadets, les lutins et autres gnomes. Ces gnomes d'ailleurs font pousser les plantes sur notre Terre. Il faut savoir aussi que la radioactivité sur Terre aurait été provoquée par la résurrection, pardon, du Christ. Les Atlantes, nos ancêtres,
avaient des corps cartilagineux capables de s'étendre à volonté. Les blonds ont une intelligence supérieure et cosmique. La femme blanche qui lit un roman nègre peut avoir un enfant gris. Les enfants ayant des taches de rousseur étaient des imbéciles dans leur précédente incarnation. Mais ouais, désolé poil de carotte. Les dinosaures étaient des dragons cracheurs de feu en vérité. Les noirs, êtres inférieurs de la race humaine, pensent avec leur cerveau arrière. L'organe sexuel du futur, tenez-vous bien, sera le larynx. Rendez-vous compte. Tricoter est important parce que cela développe de bonnes dents. Bon, voici des exemples pêle-mêle des croyances de Rudolf Steiner. Ce Rudolf Steiner a d'ailleurs créé une organisation qui régit la vie selon ses principes religieux. Alors, toute la vie. Il crée un concept économique d'où va sortir une banque qui va s'appeler la Nef, une manière de faire l'agriculture avec des rites, une agriculture ésotérique qu'on appelle l'agriculture biodynamique, une église qu'il appelle la communauté des chrétiens, dont il écrit les rites et les prières, et dont l'église centrale, son Vatican, oserais-je dire, est le Gotteanum, situé à Dornach, près de Bâle, en Suisse. Et surtout, il crée une école, l'école Waldorfsteiner, qui cache bien le secret de ce qu'est l'anthroposophie, mais qui dissémine subliminalement aux élèves ses croyances, tout en instituant des fêtes qui marquent le calendrier scolaire et qui sont en réalité des fêtes religieuses. Il s'agit du mouvement New Age le plus puissant actuellement, et il est très bien implanté en France. Il a eu accès au pouvoir récemment, puisque sous le gouvernement Macron, Françoise Nyssen, patronne de la maison prestigieuse d'Actes Sud, créatrice d'une école Waldorfsteiner 2.0 à Arles, l'école du domaine du possible, est aussi une anthroposophe. Et elle a été ministre de la Culture du premier gouvernement Macron. C'est pas rien quand même. L'anthroposophie a aussi un pouvoir moral en France, puisque l'une des personnalités les plus préférées des Français, possédant une aura de vieux sage doublée de bon sens, c'est Pierre Rabhi, un anthroposophe masqué. Autre anthroposophe masqué et détenant un certain pouvoir, il s'agit de Philippe Hélercamp, doyen de l'université d'Avignon, qui, dès sa nomination en 2015, a institué un DU de formation universitaire diplômante en pédagogie Waldorfsteiner. Vous trouverez des explications plus complètes sur ce qu'est l'anthroposophie sur le site de Grégoire Perra, Vérité Steiner. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Grégoire Perra est un ancien élève des écoles Waldorfsteiner. Il a suivi des cours pour devenir professeur et il est devenu professeur des écoles Waldorfsteiner. Il a même tutoyé les sommets de la société anthroposophique et il en est sorti. Vous le retrouverez aussi dans une interview au long cours publiée sur la chaîne La Tronche en Biais. Encore une fois, vous trouverez le lien dans le descriptif. Et enfin, je vous recommande particulièrement trois articles très importants publiés dans Le Monde diplomatique en juillet 2018 et août 2018, trois articles publiés par Jean-Baptiste Mallet, détenteur du dernier prix Albert Londres, puis prestigieux prix journalistique. Et dans ces articles, il traite premièrement de ce qu'est la société théosophique, qui est précurseur de la société anthroposophique de Rudolf Steiner. Deuxième article, il traite de ce qu'est la société anthroposophique et de l'empire financier qu'il y a derrière. Et troisième article, celui d'août, qui est assez explosif, parle de Pierre Rabhi. Trois articles que je vous recommande donc fortement, et je vous mets les liens de ces articles dans le descriptif aussi de la vidéo. Voilà donc ce qu'est Rudolf Steiner. Voilà donc ce qu'est l'anthroposophie, et voilà donc ce en quoi croit Philippe Jean Bloch qui se dit lui-même, qui se revendique lui-même anthroposophe. Vous allez me dire qu'en France, nous avons une liberté de culte et de croyance, fort heureusement, et ça, je
n'en discute pas, vous avez complètement raison. Les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Sauf que les anthroposophes avancent cachés pour séduire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et ceci est une volonté de Rudolf Steiner. Dans un livre édité par la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France, et qui se veut un recueil des dires du prophète Rudolf Steiner, extrait de ses nombreuses conférences, le livre a d'ailleurs pour titre « Conseil, réunion avec les professeurs de l'école Waldorf de Stuttgart », voici ce que le maître de Philippe Jean Bloch dit. À la page 132, je cite, « Nous réalisons en fait les intentions des dieux ». Page 199, nous devons laisser le mot anthroposophie de côté. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas parler d'anthroposophie, il ne faut pas, même pas dire ce mot-là. Page 229, nous devons toujours essayer d'obtenir de l'argent de la collectivité. Et ça, ça doit se faire de manière cachée. Enfin, il faut cacher ce qu'est l'anthroposophie pour pouvoir obtenir cet argent. Page 264, et là, c'est une phrase, enfin un extrait qui est important. Il faut se faufiler. Il faut être conscient que c'est nécessaire au moins pour atteindre notre but, parler aux gens et intérieurement les duper. Fin de citation. Les duper. Voilà ce que font les anthroposophes. Voilà ce que fait Philippe Jean Bloch. Ils avancent masqués pour nous duper. Rudolf Steiner a développé aussi une médecine alternative en relation avec sa doctrine. Ainsi, la médecine moderne est néfaste pour l'âme de l'homme. Et c'est ce que je dévoile aussi à travers cette première vidéo. C'est que derrière le discours scientifique de Philippe Jean Bloch, en tout cas aux apparences scientifiques, il y a un véritable discours religieux. Il y a une intention religieuse. Et c'est le cas notamment pour son grand combat, les vaccins. Pourquoi Jean Bloch ne nous explique pas ce que son maître à penser, son prophète Rudolf Steiner, dit sur les vaccins? Eh bien parce qu'il ne serait plus crédible. Ça ne resterait qu'une croyance. Et donc ça ne serait acceptable que par ceux qui croient en l'anthroposophie. Il est obligé d'avoir recours au jargon scientifique et aux recherches de personnes apparemment scientifiques qu'il trouve sur Internet, notamment aux États-Unis, pour séduire et duper le plus grand nombre. Alors moi, je vais vous dire ce que l'anthroposophie raconte sur les vaccins à travers son créateur, Rudolf Steiner, que je vais citer. En vaccinant, nous accomplissons simplement quelque chose que la personne devrait produire elle-même en contrepartie dans une réincarnation prochaine. Chapitre Karma, ça c'est un extrait du chapitre Karma des êtres supérieurs dans le bouquin Manifestation du Karma. Lecture 8 du 25 mai 1910. Rudolf Steiner développe cette idée de manière éparse dans différentes conférences, à savoir que nous subissons des maladies, notamment infantiles, pour payer nos dettes karmiques. Et qu'il faut donc subir ces maladies sans se vacciner, sans quoi l'esprit ne cesserait de se réincarner sans évoluer. Voilà ce que cache Jean Bloch dans ses vidéos et ses livres qu'il vend, vidéos qu'il monétise et livres qu'il vend. Pour lui, en réalité, les vaccins sont nocifs pour notre âme. C'est un poison d'abord spirituel. Pourquoi il ne le dit pas ? C'est ce que moi j'ai expliqué dans la première vidéo, et je n'ai eu droit qu'à des insultes et à de la censure. Suite au prochain épisode, en attendant, portez-vous bien.